Un petit cajun et Zydeco, ça faisait longtemps, voici un morceau de mon cru, mais tout de même largement inspiré d'un titre de Charlie McCoy qui s'intitule The Real McCoy. Alors, ce qui est d'ailleurs d'autant plus intéressant que vous pourrez reprendre ces phrases et ces riffs que vous allez apprendre dans un instant, dans un contexte bluegrass. Quant aux abonnés de Cours Harmonica Online, vous pourrez télécharger la tablature, la partition et le backing track, la piste d'accompagnement dans le module Folk et Trad. Alors, je joue en seconde position, soit en mi sur un harmonica en la. Voici la première phrase à vitesse très modérée. 3, 4. Voici à présent la seconde phrase. Celle-ci est strictement identique à la première, mais plutôt que de terminer sur le 1 aspiré, nous allons terminer sur la tonique ou fondamentale, c'est-à-dire le 2 aspiré, qui est un mi. Voici cette seconde phrase à vitesse très modérée. 3, 4. Voici à présent la troisième phrase. 3, 4. Alors vous aurez peut-être remarqué que sur l'audio du début, je joue cette phrase avec des effets d'octave et de tongue blocking. Mais ici, je vais me cantonner à la version la plus simple qui consiste à égrener correctement chaque note du phrasé. Mais si vous savez jouer des octaves et des tongue blocking, eh bien, vous pourrez jouer notamment les 5 et 6 soufflés en octave. Voilà. Quant à la quatrième phrase, elle va être vite expédiée puisqu'il s'agit d'une reprise de la seconde phrase que voici. 3, 4. Pour ce qui est de la cinquième phrase, c'est à nouveau une reprise de la troisième. Que voici. 3, 4. Et enfin, la sixième et dernière phrase est à nouveau une reprise de la seconde phrase. 3, 4. Voici à présent l'intégralité du thème à vitesse très modérée. 3, 4.
et je joue ce thème deux fois. Et vers la fin, je termine par... Voilà, je souffle dans les alvéoles approximativement 2, 3, 4 et je conclue par un accord alvéole 1, 2, 3, aspiré. Voilà. Alors, je me suis enregistré aussi, j'ai enregistré une autre piste d'harmonica sur laquelle je m'accompagne moi-même. Je joue à l'unisson certaines phrases et je fais un espèce de groove aussi d'accompagnement dans lequel j'imite un petit peu, je cherche à imiter l'accordéon cajun. Voilà, alors je joue maintenant l'intégralité du thème un petit peu plus rapidement. 3, 4, 1. Voilà, et je te donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao !